Comment la chenille devient-elle papillon? La chenille, la larve de papillon, sort d'un œuf, se nourrit de feuilles et mue, c'est-à-dire qu'elle change de peau, plusieurs fois. Devenue adulte, la chenille s'attache à une petite branche à l'aide d'un fil de soie. Elle mue de nouveau et sa nouvelle peau se durcit à un solide cocon qu'on appelle la chrysalide. La chrysalide enveloppe la chenille. À l'intérieur, le corps de la chenille commence à changer de forme. La chrysalide change de couleur quand la chenille devient papillon. Enfin, la chrysalide éclot et le papillon adulte en sort doucement. Ses grandes ailes repliées doivent se développer et sécher avant qu'il puisse voler. Le papillon s'envole vers des fleurs pour boire leur nectar sucré. Après l'accouplement, les femelles pondent sur des feuilles et le cycle de la vie recommence. À bientôt !